Bonsoir et nous commençons par de nouvelles protestations de lycéens qui, exactement comme hier, ont bloqué ou tenté de bloquer la Nationale 20 en direction d'Étampes. Des jeunes gens furieux de ne pouvoir faire du sport normalement au lycée professionnel Paul Belmondo. La région, selon eux, met beaucoup trop de temps à rénover leurs installations. On parle de plusieurs centaines d'heures de cours d'éducation physique et sportive qui auraient été supprimées. En principe, on devrait écoutez une réaction de ces jeunes gens. Gymnase, ça fait plus de 10 ans que notre gymnase, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a rien. Et voilà, maintenant on se manifeste. À chaque fois qu'il pleut dehors, il pleut dans notre gymnase. Vous prenez la température de dehors et de celle de notre gymnase, il y a un écart de 5 degrés à chaque fois. C'est pas normal. Quand il fait 10 degrés dehors, dans notre gymnase, il fait 5 degrés. Donc voilà, maintenant on est obligé de manifester et parler, dire quelque chose. Reportage signé Sophie Vingadassalon.